Samir Amin, je suis directeur du Forum du Tiers-Monde, basé à Dakar depuis 30 ans, mais je suis aussi le président du Forum mondial des alternatives, qui a été créé en 1997 et qui a été l'un des initiateurs des forums sociaux mondiaux. Stop at that point. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, partons le faire quand il est chaud. Thank you. Thank you. It's very, very easily understood. Yes, how do you build a dam? You take a mountain and you throw it in the river. Yes. À Sciences Po. J'étais à la cellule de Sciences Po, je suis communiste, je vendais l'humanité et j'étais abordée un jour par un jeune homme qui m'a dit « moi je suis égyptien, je suis communiste aussi ». Je dis « ah ben je savais pas qu'il y avait des communistes en Égypte ». Il m'a dit « ah bon, bah oui, on le dit pas, mais il y en a ». Il m'a dit « mais tu vends l'humanité toute seule là, dans la place la Contrescarpe ». When I met Isabelle, it was very quick, and we came very quickly to understand that we would continue for life, which is the case. Huh? Il me dit, mais il y a des fascistes qui sont là, et ils te laissent seul avec les fascistes. Je dis, jusqu'à présent, ils sont passés, puis il y avait suffisamment de monde autour de moi à ce moment-là, ils sont partis. Mais lui, il était étonné de voir quand même que on laissait des communistes, une femme toute seule, tu vois. Parce qu'on avait déjà, on avait fait ensemble, et puis lui, quand il était petit, il avait quand même été élevé près. Il était à l'embouchure du Nil, hein, lui, à Port Saïd. My childhood, I was very fortunate, not in a material way, but morally with my father, mother, but more even my grandfather and my grandmother, who played a crucial role in my political awareness. Encore de l'audace, toujours de l'audace, yes, à lui, un monsieur célèbre, de l'audace. Mais il faut aussi de la cervelle.
faut savoir analyser quand même, il y a des choses flagrantes. I was in the car with my mother going there and I was six and when I come out of the car with my mother I see a child, a boy of my age who was looking into the garbage, looking and poorly, not poorly dressed, terribly poorly dressed and naked, almost naked feet and so on. And I said, Mama, what is he looking after? And she says, he's looking after something to eat. Why, he has nothing to eat? No, they are poor and they have nothing to eat. And I said, why is it so? My mother was progressive, pro-communist. She was not, but pro. She says, because the world is badly made. And I answered, we should change the world. Il a mis le point sur des trucs essentiels qui n'avaient même pas été mis par Marx. Parce que Marx ne peut pas savoir le processus, exactement le processus de l'impérialisme. Quand Marx a écrit, c'était simplement le capitalisme, mais le capitalisme dans les pays sous-développés avec l'impérialisme, etc., c'est autre chose. My family conditions helped me to be an internationalist because we used at home both languages, French and Arabic, with on none of the two sides any chauvinism, no chauvinism at all, and that the two civilizations are absolutely equal, comparable, and we can exchange particularly good food. After Bandung and after the war of October 1956, communists were accepted by the Nasserian regime to the extent that the organization which was created to control, organize and control the new public sector was, the leadership was given to a communist, Ismail Abdallah, a friend of mine, elder, not 5 years or 5 years elder or 7 years, not much more, and we were personal friends. And he asked me immediately to come as his assistant, which I accepted. The preparation of the unity of Egypt and Syria. We were very critical, the Egyptian communists, of that unity. We said, it's not the way. We are in favor of unity as a historical need and positive one to face in common imperialism. I left Egypt because I was going to be arrested and I had I knew that I had something like 3 hours but I used them I think efficiently. One and a half hour later I was in Port Said. I had a gigantic advantage. It was the popularity of my father who could do anything and he took me. I told him I have to leave and he understood immediately. And he took me and he says, we go to the harbor and we could move into the harbor without being controlled by anybody. go on a boat. There is a ship which is leaving the harbor. Let's go to that ship, to that, and we went up. What is it about? And my father says, my son is here, he will travel with you. how much you want? And they said, so much, he gave the double. and that's all. Je peux leur donner le conseil de lire Samir et de comparer avec ce qu'il a décrit. De voir qu'il a décrit très bien la chose et qu'il n'y a pas besoin d'hésiter. Il faut qu'il se défende. In order to build, to help building
a critical citizen, a citizen who is able to use his brain and with a critical thought, you have to stress in education of what is considered by the World Bank as useless. That is philosophy, history, social reality. These things which are considered useless for the market are necessary for creating a real human being. History has not started with the East-West conflict, yeah. And modernity has started 5 centuries ago. And as an Egyptian, perhaps, I tend to think that 5 centuries is not a long period in history. Vast systems, which I call tributary systems, which were roughly ruled, on the basis of the same fundamental rules and laws of the tributary systems. And that in the ancient world, at least, we had 3 main centers, the one which I call the Mediterranean one, I'll come to that in a moment, the Chinese and the Indian, at least. That system produced those fundamental large ideologies on which at least our part of the world, the European and the Islamic, the Arab and Islamic, is still living on. It produced first Hellenism, and out of, in my opinion, out of Hellenism, Christianity, which was Oriental before becoming Western, tributary ideology, as we find in China, as from Confucius, in India. All those systems had similar type of evolution, laws of evolutions, contradictions, and were moving towards capitalism. Now, why did capitalism started in that Western part of the rule system? And it started, in my opinion, in the periphery of the Mediterranean system. The advantage of Western Europe as a periphery of the Mediterranean system was that it had this flexibility which allowed it to go beyond the rules of the tributary system. While the West was fully busy during the 30 last year, at least by the East-West conflict and potential war, but now it's over, and therefore the West can look at the South as an area in which it will expand more and which it will transform until it becomes part of a homogenized West. Quand on dit de quelqu'un que c'est un génie, j'ai pu voir que Samir s'en était un. Ce que j'ai retenu, c'est que pour lui, c'est la lutte pour réduire la distance et le temps entre penser, écrire, diffuser et l'action. Ça se combine. Et ce qui fait que et ça se répercute même sur sa façon d'écrire, parce qu'il est très rigoureux dans sa façon de s'exprimer, mais il n'a pas toujours la patience, n'est-ce pas, d'élaborer sa pensée jusqu'au bout avant de la rendre publique. Et c'est la raison pour laquelle on peut voir, n'est-ce pas, dans plusieurs ouvrages, le fait qu'il revient sur quelque chose qu'il avait déjà exprimé, parce qu'il veut, je crois qu'il voulait en tout cas, que les gens soient très rapidement au courant de ce qu'il pensait. Cet appartement que Isabelle appelait, en tout cas lorsqu'elle me parlait, elle l'appelait Hôtel Amine. Alors, elle me demandait de temps en temps à Dakar, « Chérie, est-ce que tu as quelqu'un qui veut passer à l'Hôtel Amine ?»
C'est-à-dire, c'est extraordinaire quand même, quelqu'un qui a hérité de ses parents, qui a tous ses appartements à Paris, et qui n'a jamais cherché à se faire un sou là-dessus. Son souci, c'était d'héberger 2 ou 3 jours des ressortissants d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe de l'Est, lorsqu'ils étaient de passage à Paris, qu'ils avaient un problème donc d'hébergement. Ça, je ne l'oublierai jamais chez Samir. Je pense que de ce point de vue, c'était un homme exceptionnel. Et sa vie correspondait vraiment, exactement à ce qu'il écrivait et disait. Voilà un peu les 2 témoignages que je voulais donner sur Samir Hamid. J'ai fait sa connaissance en 1965 à Dakar. Et depuis, on n'a jamais arrêté de discuter vivement, parfois, et de vivre, enfin, de ce qu'on dit, fraternellement. Et donc, pour moi, Samir, c'est quand même, disons, le penseur de la décolonisation. Un des penseurs majeurs de la décolonisation. Je crois et il a tout de suite compris, c'est un de ceux qui a le mieux compris que la décolonisation, c'était un moment mondial. Et donc justement, d'ailleurs, toute son œuvre sur l'accumulation à l'échelle mondiale, le développement inégal, etc., ça a toujours été de resituer la question de la décolonisation dans l'histoire de l'humanité. Et ça, il a très très bien su le faire, sans concession. Voilà. The victory of the Chinese Liberation Army in 1949, when it moved into Beijing, and later in the 50s, when it moved south, I was terribly happy. I was happy to the extent that I was naive enough to think that this is the end of capitalism. It will continue to India, to Middle East, to Africa. The Vietnamese Revolution, a war, and double victory, the victory over the French in 54, made me terribly happy. And the victory over the Americans in April 75 made me very, very happy that the Western armies, including the US Army, can be defeated by a small people. But I had also very sad moments in my life. The saddest is the loss of my daughter. That is the most terrific moment of my life. Also, I was very unhappy when the Soviet Union broke down. I was afraid of that since long time. I was afraid of that. But I kept the hope long time that they could find a solution, center-left, perhaps a solution as the Chinese, as less bad than the full breakdown, and the breaking down of the Soviet Union in those silly independent countries, to me, is a historical defeat. But we bear communism, historical communism, historical Marxism has a responsibility in that. Et il a su aussi voir que la décolonisation n'était pas terminée. que effectivement, c'est un processus beaucoup plus long qui ne se limite pas à l'indépendance des États. Et que, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de la décolonisation particulièrement dure et difficile. Parce que nous sommes de ceux qui pensons que l'idéologie et la pratique dominante, au nom de la mondialisation, au nom de l'intégration de tous les continents et de tous les pays du monde dans un même système mondial, n'ont plus qu'un seul modèle à suivre, celui qui est le modèle dominant dit du capitalisme néolibéral. Vous savez que il y a eu même des idéologues qui sont allés jusqu'à dire écrire cette absurdité que nous sommes parvenus à la fin de l'histoire, qu'il n'y a plus d'alternative, qu'il n'y a plus qu'à se soumettre et à s'ajuster aux exigences de ce système mondialisé. Instead
of trying to participate to that globalization, but trying to control its participating to that globalization, the benefits of it, and minimize the negative aspects of it. And we hear very often in China this type of language. We can take advantage of that and be careful about, there are some dangers, but we are aware of them and we can keep them out. And China is participating to globalization, particularly trade globalization, and with an aggressive export policy even. That is one. To capital globalization, capital, not finance, not finance. Capital globalization in the sense of accepting foreign investment in China or inviting them even, and also starting being investing outside. Foreign investment in China, a certain degree of control of the state over that it is not as open. I mean, no country could be more open to foreign investment than the African countries. They have no rules to stop anything. And the foreign investments are not done in Africa. They are going to China, where they are controlled. A curious control, which is a mixture of the state apparatus operating over some degree of control, of associating private new bourgeoisie, Chinese new bourgeoisie, of a variety of forms. That is a negotiated participating to global investment, global capital, capital globalization. But China has kept, until now, I'm saying until now, out of the financial globalization. That is, it has remained, and it is almost the only country now in which all the banks, or 95% of the activities of the banks, are state-controlled. Not only Chinese, but state-controlled. And the yuan is run by the Central Bank of China. That means by the Chinese government, not by the market. Now, the maximal pressure is done on China on that ground specifically. You should move towards participating to financial globalization. And I'm saying, and I would like to repeat it and to have it understood by the Chinese, including at the highest level, top level, that moving into financial globalization would be a final disaster. It would destroy China. It would destroy all that you have been able to successfully conquer during 70 years. Everything. Il a aussi été un militant infatigable des luttes de libération, des luttes anti-impérialistes, des luttes internationalistes. Il a toujours été porteur de cet espoir. Enfin, c'est vraiment un espoir. Mais je dois quand même dire que Samir, c'est pas seulement le penseur, le militant, c'est aussi un homme qui savait tellement bien rire, vivre. C'était un Égyptien quand même.
Now, this is why, putting it in a joke, I say the religion of this system is not monotheism, it's monotheism. which can go with monotheism, with anything else, with no problem, as long as you are monotheist. That the three rites should be integrated in the in the conceptualization of the reproduction of capital accumulation, the ground rent, the mineral rent, and the imperialist rent. They are not independent one from another, but they are three distinguished phenomena. Capitalism as a system based on expanding, continuous expanding of market relations involving all aspects of human activities and reducing human being to a labor force, which is a merchandise, is fundamental in order to understand our critique of capitalism. Capitalism is not an efficient system, but with a bad distribution of income. It is an inefficient system from the point. And socialism is not capitalism without capitalists, a little more efficient, if possible, and with much more justice and equality. It is a higher stage of development of human civilization, which means much more than that. And we cannot understand that. And that is fundamental for what future do we want to, and how to move in that direction. From any, in any country, advanced or less advanced, first world or fourth world, etc., today. We cannot do it without this understanding, which is alienation. Our society is an alienated society. In the sense, what is the meaning of that? In the sense that it attributes to external forces, to itself, the ruling of itself. That is what is the result of human social actions are looked at, understood as if they were external forces, the market. Trade works to leverage economic growth and development. The whole idea of modernity, modernity which has been absorbed by capitalism, with of course the segmentation of reality, with the idea of a linear progress, with the idea that science and technology will resolve all the problems. And so finally, modernity has been detached from, to a certain extent, from its fundamental orientation and identified with capitalism. We have to return to a holistic approach, a pre-modern approach. But of course, without falling in post-modernism, which finally negating structures, negating systems, is the best ideology for a neoliberal orientation.
We have to have a critical approach of modernity. This is, for me, not new. I read Capital 4 times in my life. It's very curious, every 20 years. At the age of 20, 40, 60, and 80. And each time I enjoyed it more than reading Balzac or Shakespeare or I don't know, or as much. That is big literature, not school, only. No? Big literature. And but at every time, including the last one, I did not felt absolutely satisfied. And I always felt, from the first reading, but that was at very young age, 20 or around, that one fundamental point was missing, the global dimension. I was saying, but that does not answer our question. Why societies of the East, which have some history behind it, have been unable to maintain some position, respectable position, in the new world, in modernity. And that was my agenda. I immediately discovered, but I rediscovered it, that Marx was aware of that, and that in her letter to LaSalle in 53, I think I mentioned it, 1853, of course, he mentioned his plan, which was six volumes, out of which one appeared, and three with the two others published by Engels, and four with the fourth published by Kautsky, but the fifth and the sixth never. We should build this theory from as the world is now, and not as it was in the time of Marx. Delegitimizing capitalism means that. You do not delegitimize capitalism just by saying it's unjust in the distribution of income, and with full employment and better wages and labor protection and so on, you would have something beautiful. And these are the issues. What do we mean by a society? What do we mean? What could be meant, understood as a society built on other values, such as solidarity and so on, instead of competition and so on? That an Anglo-Saxon empiricist positivist cannot answer to that question. He will tell you absolute nonsense. La thèse que tu as développée a mis au jour avec évidence et rigueur que ce que l'on désigne comme le sous-développement ou le retard de développement de ces sociétés est le produit de l'expansion du développement capitaliste lui-même. Cela demeure pour toutes celles et tous ceux qui luttent pour qu'émergent des processus d'abolition de l'ordre existant l'un des fondements de leur pensée et de leur action. Tu étais tout l'inverse de cette image détestable qui nous imposait chaque jour par la pensée dominante de l'intellectuel en chambre, aux révoltes de bon ton, assis sur son piédestal le plus souvent médiatique et superficiel, qui jauge et qui juge les individus et les peuples, donne des leçons à tour de bras et se vautre dans les pires duplicités à coups de deux poids deux mesures qui n'ont qu'une seule logique: humilier celles et ceux qui produisent les richesses du monde, de leur pays, et qui n'ont que leur force de travail pour seule richesse, tant ils sont spoliés de tout jusqu'à leur dignité. Toi, Samir, tu étais tout l'inverse de ces démagogues qui redécouvrent la lune en parlant des inégalités générées par le capitalisme, en prenant bien soin d'instiller tous les germes de division possibles, d'affrontement même, entre ceux qui ont un peu, ce peu conquis de haute lutte dans plusieurs générations, et ceux qui n'ont rien du tout et que l'on voudrait docile. À toi seul, tu étais l'antithèse de tout ce fatras. Tu étais, et tu demeures à travers les ouvrages que tu nous laisses, ainsi que ton action, de ceux qui donnent confiance dans le genre humain, dans l'intelligence et l'action collective. Tu as combattu toutes les formes de domination raciale, patriarcale, économique,
culturelles, politiques, mettant en pleine lumière dans les moindres interstices où elles peuvent se nicher les logiques d'exploitation, de prédation et d'aliénation qui sont celles du capital. The new project is simply a project of recolonizing the whole world that is taking also advantage of the breakdown of Soviet Union to recolonize not only starting from the ex-Soviet republics, Ukraine, Georgia, and some others, possibly Central Asia, but also recolonizing Russia. The project of reintegrating and reconquering, which is not successful for imperialists today, of China, of Vietnam, of Cuba, and the project of getting the exclusive access for the resources of the whole planet to the exclusive benefit and waste of the Western societies. Cette année, 52 ans que Samir vit au Sénégal. Pour ce qui me concerne, je suis à ses côtés depuis exactement 45 ans, comme étudiant, comme collègue, enseignant et chercheur, et comme collaborateur. Vous ne vous êtes pas limité au diagnostic. Vous avez également proposé des clés de sortie de cette terre de l'ensauvagement généralisé des rapports humains avec la proposition audacieuse de la déconnexion. Nous prétendons que c'est précisément cette soumission à ce système mondialisé, capitaliste, des monopoles, qui est à l'origine des problèmes, de nos problèmes, c'est-à-dire à l'origine de la détérioration permanente des conditions sociales pour des majorités, et même des majorités croissantes, qui est à l'origine de la paupérisation, qui est à l'origine également de la crise de la politique et de la démocratie, de la perte de légitimité de la démocratie électorale, qui est à l'origine donc de tous nos problèmes. Et que face à cela, la seule réponse, la seule ligne stratégique de réponse passe par la déconnexion. La déconnexion entendue comme prendre ses distances, précisément, à l'égard du système mondial. Prendre les distances qui nous permettent d'imposer au système mondial, lui, à s'ajuster. La Banque mondiale a imposé et continue à parler d'ajustement structurel. Elle entend par là note l'ajustement structurel de nous, les plus vulnérables, les plus faibles, la périphérie du système mondial. Cette longue vague de 50 ans. Ensuite, nous avons eu une vague qui n'est pas courte, de 40 ans. De 70 à 2011, ça fait 41 ans de déclin, d'endormissement. Et nous commençons probablement une troisième longue vague. Alors je crois qu'il faut voir tous ces problèmes, les analyser dans toute leur connexion avec la société, dans tous les lieux de bataille, comme des mouvements qui se situent dans la longue durée, et se garder de ce que malheureusement les gens trop pressés veulent savoir immédiatement, qu'est-ce que ça va donner demain. Nuestro socialismo, un socialismo mestizo, latinoamericano, cimarrón, bolivariano, profundamente cristiano, ampliamente democrático, libertario. Es un socialismo para la libertad. Est-ce que le mouvement va réussir, triompher ou échouer? Les deux termes n'ont pas de sens. Il ne va ni triompher ni échouer. Il va se poursuivre pendant encore des années et des années. Un révolutionnaire intrépide, un scientifique pugnace dans vos prises de position théoriques que vous avez en permanence prolongées par l'action militante partout où se développent les luttes concrètes de libération. À cette science, vous avez abreuvé des générations de femmes et d'hommes à travers vos enseignements dispensés à la Faculté des sciences juridiques et économiques de l'Université de Dakar. Vous avez investi toute votre énergie à mettre en place
ou à développer des institutions de recherche, de formation en terre africaine au service d'une pensée progressiste à dimension mondiale, dont l'Institut africain pour le développement économique et de planification, IDEP, Environnement pour le développement de l'Afrique, ENDA, devenu ENDA tiers-monde, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, CODESRIA, le Forum du tiers-monde, et j'en passe, et des meilleurs. Cette œuvre au service de notre commune montée en humanité sera inscrite à notre patrimoine pour la garder vivante et en faire le limon des luttes prochaines, libératrices, accoucheuses du monde nouveau qui sera demain. Mon père, comme moi, on a peut-être une autre vision, on n'est pas des marxistes, mais bon, je crois que ça c'est la seule différence. Moi j'ai beaucoup appris et je trouve que le monde le démontre aujourd'hui, que la globalisation a fait beaucoup d'erreurs. Et Samir en était un anti-globalisation depuis très longtemps. J'espère que l'esprit de Samir va continuer à exister. Ah oui, c'est ça qu'il faut, il faut vous défendre. Ça c'est important. En Afrique, il faut vous défendre. Surtout que le monde actuel est en train de entièrement changer. Et je suis persuadé que Samir pourrait retrouver beaucoup de choses dont il avait déjà écrit dans les années 70-80. Monsieur Amin a formé plusieurs générations de chercheurs et de militants en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et en Europe. Et bien évidemment, il restera un des plus grands penseurs et acteurs de la lutte pour un autre monde et pour l'émancipation des peuples humains de notre siècle. And he said, we should understand that what unites us is much more important than what divides us. And I think the left should take this seriously and overcome the sectarianism, the divisions, the splits, so that we can form a coherent force or coherent forces to try to save humanity and to save the planet. If there are no struggle which change the balance of forces, we cannot have any hope, invest any hope. And we should say that clearly to the people. It's part of the process of repoliticization. It's not saying that we don't need at no point elections, and that we don't want it. But it is telling them that, look, the main strategic target is not to win the next election. In the case of Egypt, I see two choices which are conflicting in the debate among our communist organizations and parties and socialist parties. Electoral alliance or social alliance. These are two things different. An electoral alliance is by definition opportunistic, by definition, and relatively short run, because you want to win the next election, not the election after 50 years. Building social alliance is something different, and the processes, the type of programs, the type of organization, the type of action that prepare that. Advance on that line is something different. I also, in that spirit, distinguish the electoral constituency from the social constituency. Pour le CODESRIA, le décès de Samir Amin marque la fin d'une ère dans l'histoire de la recherche en sciences sociales en Afrique. Compte tenu de nombreux rôles de pionniers qu'il y avait joués en tant qu'académicien, enseignant, mentor, révolutionnaire et ami.
La grandeur d'esprit et d'intelligence du professeur Amine a fait de lui un modèle significatif pour 3 ou 4 générations de chercheurs africains et des académiciens radicaux à travers le monde. All the conventional economics is absolute nonsense, which does not help us to understand why the price of oil is so and not that. Why the rent for agriculture is that and not that. So the effort of them to explain it by productivity of the natural resource per se, you know, there is no productivity of capital, equipment, productivity of labor, productivity of natural resource, and now added to it, productivity of science and technology. Yeah. This is separating things which are cannot be separated. It's separating the body from the soul. There is only one productivity, productivity of social labor, which means labor using equipment in a frame of natural resources and with a knowledge. These strata of problems constitute together the imperialist trend, which is multidimensional in its sources. One, the over-exploitation of labor. Why? Labor, if the system is globalized, then labor is globalized. It's not globalized only because companies can move an industry from one place to another, but it is globalized through trade also, through investment, through etc., etc. And if it is globalized, then I say to the liberals, you have to be consistent. You cannot say globalization and use it when it is pleasant for you, and when it is unpleasant, there is no globalization. There is globalization of finance, of trade, but no globalization of labor. Of course there is globalization of labor. I pretend that it is very important, measurable, but not visible, because it is integrated in the system of relative prices of everything. Of everything. That is one. The second source is basically, let's say today, the mineral rent, which is captured by, to various degrees, or shared between monopoly capital of imperialism and the local ruling classes, which are what they are, which can be subordinate or not subordinate, depending on the period, time period. You cannot say that the Saudi Arabians are subordinated, or that Nasser was subordinated as the Saudi Arabians. Yeah. But the two were subordinated. One was trying to get out of subordination, the other is pleased with it. Peut-être que je pourrais penser un peu à une sorte de fragment de testament imaginaire que Samir nous aurait laissé. Et je crois que dans ce testament, il dirait que nous sommes aujourd'hui, à l'échelle mondiale, à un carrefour très dangereux, et que le danger vient fondamentalement du développement d'une sorte de totalitarisme. Et ce totalitarisme, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait une poignée de groupes d'entreprises privées, parfois d'État, à l'échelle internationale, qui, après avoir confisqué le pouvoir économique, est en train de chercher à accaparer aussi le pouvoir politique, c'est-à-dire à vider complètement la démocratie de tout contenu progressiste et de la transformer uniquement en une idéologie qui permet de légitimer
les interventions dans le tiers-monde pour détruire des États. Il dit en particulier, en s'adressant aux ressortissants, et c'est surtout les peut-être les intellectuels du Sud, pensez par vous-même. Et pensez par vous-même de manière audacieuse. C'est ce principe que, il aurait dit, j'ai essayé de pratiquer dans ma vie. C'est-à-dire, n'est-ce pas, de ne pas attendre que les autres prennent des initiatives auxquelles on va s'ajuster. Affirmez-vous, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. No comment because I agree. Donc il est à l'incarnation de cette thèse de Marx sur Feuerbach, où en substance il dit les philosophes jusqu'à maintenant se sont contentés d'expliquer le monde, il y a lieu qu'ils le changent, ils travaillent à le changer. Et je crois que Samir était véritablement un exemple dans ce domaine, avec une volonté de toujours accrocher les éléments théoriques et stratégiques qu'il avançait à la nécessité d'un changement concret. Et enfin, je veux juste citer une anecdote qui pour moi est révélatrice de sa générosité militante. À Genève, nous l'avions invité avec une autre association en mars 2016. Il est parti de Paris, on ne savait pas, malade, avec une crève carabinée, au point que quand il est arrivé à la gare de Genève, l'ami ou le camarade qui est allé le chercher a dû l'amener immédiatement aux urgences, à l'hôpital. Il allait sortir rapidement pour tenir la conférence et pour participer à une vidéo du CETIM, que vous verrez, vous avez certainement peut-être vu sur le web, pour y participer parce qu'il avait donné cet engagement. You devoted yourself to struggles for the emancipation of humanity, leaving indelible footprints along paths of struggle. You imparted hope and courage to peoples in resistance, fighting collective imperialism's plunder and killings. Your life should be celebrated, and yet your departure has left us with an unspeakable sense of loss. How we sorely miss you. I had thought there would still be time to act, there would still be time to think, there would still be time to plan, and there will still be time for you, our mentor, to guide us and accompany us in the necessary struggle for a future for humanity and for the planet. Your departure demands all the more our serious engagement. The loss of you can only mean an unfading call for us to continue your legacy. You asked for two moves, a program on the international to be set up under the Global University for Sustainability, and an email group of 200 people for discussions and debates, and the list you already made. We have started these steps. You were not only a great thinker, you were also a great organizer, because you know people's forces must overcome fragmentation and demoralization. Des projets souverains. Projet donc de prendre ses distances autant qu'on peut. Alors, autant qu'on peut, de la mondialisation, pour contraindre les puissances impérialistes à battre en retraite. Je ne dis pas nécessairement être mis en déroute, à battre en retraite et à être obligé de négocier avec des partenaires qui savent ce qu'ils veulent. Et ces projets souverains n'ont de sens que s'ils sont à la fois, je dirais, populaires et démocratiques. Et je vais m'expliquer sur ces deux termes. Populaire, et je dis populaire et pas socialiste, hein, populaire en ce sens que
qu'ils conçoivent, qu'ils parviennent à concevoir des stratégies de développement, si on emploie ce terme très vague, de développement, dont les bénéficiaires majeurs sont les classes populaires. Classe populaire, ça veut dire la majorité des travailleurs, que ce soit le prolétariat industriel, la grande majorité des paysans, le petit peuple, y compris les plus misérables des villes, etc., etc. Populaire. Et non pas un mode de développement dont les seuls bénéficiaires sont les couches moyennes, celles qui intéressent l'impérialisme, parce que ce sont des consommateurs éventuels, les 5% ou 10% ou 20% de consommateurs, comme il en existe maintenant dans beaucoup de pays du tiers-monde, du Sud. Un développement très différent. Ça implique de marcher sur deux jambes, c'est-à-dire de s'engager dans une industrialisation, mais pas n'importe laquelle. Une industrialisation au service de du marché interne principalement, ce qui n'exclut pas des exportations éventuelles pour les soutenir, mais au service du marché interne et du marché interne des classes populaires au sens large du terme. Ce qui n'exclut pas les classes moyennes, mais ne leur donne pas la priorité et encore moins l'exclusivité des bénéfices. Et ça, c'est la base matérielle pour des avancées démocratiques. Nous garderons toutes et tous un souvenir singulier de Samir, de sa vitalité, de sa créativité, de son génie en fait, comme aussi de sa fidélité en amitié, de sa chaleur humaine, de son humour. Samir continuera de vivre en chacun de nous, car il est de ces hommes qui ne meurent pas. Il restera en nous parce que le combat de sa vie est le combat de nos vies, celui de millions d'hommes et de femmes, pour transformer le monde. Il avait choisi de se battre aux côtés de l'Afrique et du monde arabo-musulman, martyrisé par l'impérialisme, de jeter ses forces dans leur rapprochement nécessaire avec l'Asie, avec l'Amérique latine même. Il comprenait mieux que quiconque, peut-être, les évolutions du monde et nous aidait à mieux en saisir les enjeux. Sans cesse, nous parlions des moyens de reconstruire un internationalisme réel, efficace, une solidarité des peuples du Sud et des travailleurs du Nord, sans quoi rien ne sera possible. Sans quoi notre ennemi capitaliste ne sera pas défait. Sans quoi les voies praticables des transitions socialistes resteront bloquées pour longtemps. Samir est un citoyen du monde. Et à ce titre, il avait quelque chose de chinois. Il savait le temps long, les chemins très longs de l'émancipation sociale et de la libération nationale. Il savait que notre lutte pour le socialisme ne s'arrêtera jamais, pas même après nos victoires, pour rendre nos sociétés justes, humaines. Nous avons essayé de le faire, notamment dans le cadre du Forum mondial des alternatives, auquel beaucoup de nous ont participé aux quatre coins du monde. Demain, nous continuerons ce combat pour parvenir enfin à nous unir. Alors, mais alors seulement, comme certains de nos héros l'ont promis, nous vaincrons. Samir. Yes, born physically. You are spiritually here with us. I can feel you. You are here. And what you have left behind, our footsteps that many of us will follow to beyond our dreams, to create a global international where the working classes
the women, the children, the refugees, the asylum seekers can come together for an alternative global system. J'ai envie de dire notre fierté d'avoir Samir en tant que l'un des rares penseurs africains enseigné dans toutes les universités du monde. Tu es là, professeur, et tu seras là toujours, non seulement dans nos cœurs, mais tu es aussi dans les amphithéâtres, parlant aux étudiants à travers tes livres. Tu es dans les bibliothèques et dans les labos, parlant aux chercheurs. Tu es dans les réunions syndicales et dans les réunions des mouvements sociaux que tu vas continuer d'inspirer. Parce que tu as fait le choix d'être là où le peuple se bat, réfléchit et s'organise pour rendre le monde meilleur. C'était d'être un Marx du Sud, c'est-à-dire de construire une pensée. Un point de vue du Sud, ce n'est pas seulement un changement de perspective, c'est un autre point de vue sur le monde. C'est à partir d'un coin aveugle du monde d'éclairer et de rendre visible l'ensemble du monde. Et c'est ce que Samir a essayé de faire toute sa vie. Il a mêlé dans son œuvre une économie politique de la décolonisation avec une critique de l'économie politique de la mondialisation. Et Samir a toujours cherché à lier la critique du capitalisme avec l'idée de la construction du dépassement du capitalisme, de comment vivre le dépassement du capitalisme. L'échec des régimes issus des luttes de libération, nous sommes dans la crise de la décolonisation. Samir n'abandonnera pas pour autant sa réflexion sur le socialisme, mais il mettra plus l'accent sur la critique du système dominant, sur l'économie politique du capitalisme mondialisé. Cet apport théorique et stratégique de Samir lui a donné une stature particulière. Il n'est pas compréhensible si on le coupe de son engagement politique, de son engagement de tous les jours. Il a concrétisé à tous les niveaux. Certes, il a été particulièrement concerné dès le départ par les situations en Égypte et aussi par la douloureuse question du peuple palestinien. Son ancrage permanent dans la réalité lui a permis d'élargir ses préoccupations à l'évolution de l'unité arabe, de la situation de l'Afrique, de l'impact stratégique de l'afro-asiatisme, de la place spécifique des pays décolonisés, du nécessaire renouvellement de l'internationalisme. Il a été présent dans toutes les grandes mobilisations mondiales et a démontré sa capacité d'indignation toujours intacte. Il peut paraître paradoxal de se retrouver aujourd'hui en France après ce long combat pour le Sud global, mais c'est grâce à la générosité de nos camarades du Parti communiste français qu'il faut saluer ici. Nous sommes là, proches de d'autres brigadistes qui, dans une période qui ressemble étrangement à celle qui se noue devant nous, ont osé lutter contre le fascisme et Samir nous avait doté de tous les instruments pour lutter contre le fascisme mou qui caractérise le 20e siècle, le 21e siècle. Et la resurgence des populismes, l'hideuse face de la peste brune, la déliquescence du système capitaliste et le règne des plutocrates, loin de lui enlever l'énergie, l'a revigoré. Et à chaque cycle de 20 ans, il a relu Marx, que je crois humblement il a su parachever. Je dis qu'il nous a doté d'un instrument redoutable de transformation du monde, et c'est à nous de saisir l'opportunité historique, incroyable, d'utiliser ces instruments. Dans le sillage de Samir Amin, ça a été souvent rappelé ici, plusieurs personnes se sont concrétisées. Et je crois qu'un être humain qui est un peu humaniste, qui n'accepte pas l'avenir le plus sombre, ne peut que choisir que se battre dans cette direction. Alors, on gagnera ou on ne gagnera pas, j'en sais rien, pas plus que les autres. Hein.
mais je crois que c'est la seule raison valable de vivre. Pour nous, la force de Samir Amin est intacte. D'abord parce qu'il vit en chacun de nous, mais parce que je suis tout à fait convaincu qu'il y a eu deux personnages qui, pour moi, ont été importants et qui caractérisent l'homme nouveau. Il y a du Ernesto Che Guevara de la Sierra qui a parlé de l'homme nouveau, et cet homme nouveau, c'est Samir Amin. Je partageais avec Samir le fait que j'étais aussi à moitié égyptien, et j'ai eu l'insigne honneur qui m'invite sur le Nil après la révolution en Égypte à la célébration de son 80e anniversaire avec quelques-uns de nos camarades qui ont eu aussi ce moment extraordinaire. Et c'est en remontant ce Nil, pas seulement dans les méandres de son passage, mais avec ses journées de travail que nous passions sur le bateau avant d'aller voir les antiquités qui ont montré que la modernité a commencé bien avant qu'on lui donne un terme, que j'ai saisi la portée de l'œuvre de Samir Amin, parce que dans ce bateau, à chaque fois, nous revenions sur les points les plus importants qui doivent être les éléments qui vont permettre la cristallisation de la révolution. En fait, nous avons aujourd'hui, avec cet homme, les instruments adéquats pour la résistance contre l'ordre impérialiste. Si les impérialistes peuvent se réjouir aujourd'hui, ils savent pertinemment qu'ils n'auraient pas pu le tuer parce que là, il l'aurait transformé en martyr. Et évidemment, là, son œuvre aurait eu un effet cataclysmique. C'est à nous d'utiliser ce potentiel révolutionnaire. Nous devons continuer à œuvrer pour la consolidation d'un front tricontinental. Et nous devons surtout, dans l'espace d'une génération ou deux, aller vers la cinquième internationale. I only regret one thing, that if we had one day more, we would have gone all together at the place of my ancestors, which is just 30 kilometers north of this place, not far from here.